السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الله تعالى ديدنا القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون نصي بخسي الله نزابخون que ceux qui sont vertueux, Ceux qui sont des saints, ils n'auront pas de tristesse dans l'au-delà et ils n'auront aucune crainte à avoir. Qui sont ces vertueux Ce sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager, يتقون, et qui ont obéi à Allah subhanahu wa et à son prophète. Ce verset est une incitation à devenir une personne vertueuse et c'est quoi une personne vertueuse une personne vertueuse rajul al-Salih, c'est celui qui a cru en allah subhanahu wa ta'ala et qui a obéi à allah et qui a évité ce que allah a interdit parce que dans ce bas monde allah ne nous a pas créés pour rien du tout il nous a créés il nous a ordonné de l'adorer et il nous a ordonné de faire preuve de piété à son égard allah a dit dans le coran كيا اتي محمد صلى الله عليه وسلم pour notre communauté يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون a dire oh vous les croyants faites preuve de piété comme il se doit et, ne mourrez étant musulmans. et dans un autre verset, يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد C'est-à-dire, ô oh vous les croyants, faites preuve de piété et que chacun considère ce qu'il a préparé pour demain, que chacun réfléchisse à ce qu'il a préparé pour demain, chacun d'entre nous, que l'on se dise, qu'est-ce que j'ai préparé pour demain Le demain de ce verset-là, c'est-à-dire le jour dernier, qu'est-ce qu'on a préparé pour le jour dernier Et donc, c'est une preuve qu'il y a bien un jour dernier. Et ce jour dernier, on doit s'y préparer. C'est pour cela que Omar ibn al-Khattab, qui était un grand compagnon du prophète, il disait, c'est-à-dire, rendez-vous des comptes à vous-même avant le jour où vous devrez rendre des comptes. Et pesez vos actes avant le jour où vos actes seront pesés. Parce qu'après la mort, il y a quelque chose. Il n'y a pas rien du tout. Qu'est-ce qui va se passer après la mort La première chose, c'est que l'ange de la mort va venir, il va ôter l'âme de la personne. Ça, c'est la première chose qui arrive quand la personne agonise. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi la vie C'est quand l'âme est insufflée dans le corps du, du fœtus. C'est ça quand il prend vie. Et c'est quoi la mort c'est quand l'âme, elle sort du corps de la personne. Et si c'est une personne vertueuse, les anges de la miséricorde vont prendre l'âme et ils vont la monter jusqu'au premier ciel. Et là, les anges du premier ciel, ils vont prendre cette âme-là et ils vont la monter jusqu'au deuxième ciel. Et les anges du deuxième ciel, ils vont prendre l'âme et ils vont la monter jusqu'au troisième. La personne n'a pas encore été enterrée, elle vient de mourir. Puis au quatrième, cinquième, sixième, septième ciel. Et là, l'âme, elle est inscrite dans un livre qui est le livre des vertueux. Elle est inscrite au nombre des vertueux. Comme Dieu dit dans le Coran, un endroit au septième ciel qui s'appelle Ellyin, dedans est inscrit les âmes des vertueux. Et après, qu'est-ce qui se passe L'âme, elle va redescendre. Et elle va se retrouver au-dessus du corps de la personne. Et nous, on fait quoi on lave la personne, on l'enveloppe dans trois linceuls ou dans un linceul et on l'emmène pour l'enterrer. Et quand on l'emmène pour l'enterrer, l'âme qui est au-dessus de la personne, elle dit :« Paddimouni, » parce qu'elle sait que c'est la félicité qui l'attend. Nous, on ne l'entend pas, mais elle, elle dit :« Avancez-moi, avancez-moi, elle est pressée d'aller dans la tombe parce qu'elle sait que dans la tombe elle aura déjà un bonheur et une félicité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a parlé de ce qu'on appelle ou qabr, la félicité dans la tombe avant même le paradis. Et c'est pour cela que les gens qui portent le cercueil, ils se rendent compte et ça c'est du vécu que le cercueil, il a l'air léger, il marche rapidement. Et on voit des cercueils, c'est très lourd à porter et les gens ils marchent très lentement. C'est quelque chose qui est visible. Pourquoi? Parce que c'est tes actes qui te font avancer, et c'est le poids de l'âme en réalité qui va dire qu'adémonie, qu'adémonie, ou bien l'âme d'un égaré qui dira, reculez-moi, reculez-moi. Donc, l'âme elle est au-dessus du corps, et nous on transporte le corps et on l'enterre. Qu'est-ce qui se passe après? L'âme, elle rentre dans le corps de la personne. Elle était morte, elle retrouve la vie. Et c'est ce qu'on appelle Hayatul Barzakh, la vie après la mort, mais avant la résurrection. Hayatul Barzakhia. Il y a deux anges qui viennent à ce moment-là. Le prophète a parlé de ces deux anges. On les appelle Munkar et Nakir. Ils ont un aspect effrayant. Ils sont de couleur noire-bleue. La personne, quand l'âme elle revient dans son corps, elle entend le bruit des pas des gens qui étaient à sa tombe, qui pleurent à sa tombe. Après, les gens, ils s'en vont. Même les gens qui l'aimaient le plus, qu'est-ce qu'ils font Ils s'en vont, ils rentrent chez eux. Elles se retrouvent toutes seules. Et les deux anges, ils arrivent. C'est pour ça, dans les douas, qu'est-ce qu'on dit Allahumma Oh Allah, fais qu'elle soit raffermie au moment de l'interrogatoire, qu'elle sache bien répondre. Les anges, ils vont venir. Ils ont un aspect effrayant. Ils sont de couleur noir-bleu. Celui qui ne croyait pas en Dieu, quand il va les voir, il va être effrayé. Mais celui qui est vertueux, Allah ta'ala, il raffermit son cœur. Il voit les deux anges, il n'a pas peur. Et les anges, ils vont lui poser une question. Ils vont lui dire Man rabbuka, qui est ton Seigneur Ou ma dinuka, quelle est ta religion Ou maza kunta taqulu fi haather rajuli Muhammad Et que disais-tu à propos de cet homme Muhammad Le musulman vertueux, il va répondre correctement. Il va dire Allahu rabbi, mon Seigneur c'est Allah. Ou al-islamu dini, ma religion c'est l'islam. Et il va dire, anna au sujet du prophète, il va dire, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et je témoigne que Mohammed est l'esclave de Dieu et son messager. Et là, les deux anges, ils vont lui dire, on savait que tu allais répondre cela. Et ils vont lui annoncer la bonne nouvelle de la félicité. Et ils vont lui dire, Nam, dors. Et il va dormir comme le sommeil du nouveau marié. Il va dormir paisiblement. Et les anges vont dire à la, à la tombe de s'élargir. La tombe, elle va s'élargir de 70 coudées sur 70 coudées. Il va y avoir de la lumière dans sa tombe. Non, on ne voit pas. Mais c'est ainsi. Et le prophète en a parlé. Et il y a quelques personnes à qui Allah a accordé de voir cela. De la lumière, il sentira l'odeur du paradis. Il sera dans une félicité dans la tombe. Et certains, tellement ils sont vertueux, Allah Ta'ala leur accorde de faire la prière dans leur tombe. Tellement pour eux, c'est un plaisir de faire la prière, c'est pas un fardeau. Dans la tombe. Une fois, il y a deux hommes, ils étaient en train de creuser une tombe. Quand ils ont fermé la tombe, il y a des briques de la tombe d'à côté qui sont tombées. Ils ont vu quelqu'un dans la tombe en train de faire la prière. Ils étaient choqués. Il y a un des deux, il a dit à l'autre, Tu vois ce que je vois L'autre, il lui a dit, Chut, ne dis rien. Et après, ils ont refermé. Ils sont partis voir la fille du défunt qui faisait la prière dans sa tombe. Ils lui ont dit, ton père, il faisait quoi durant sa vie Elle leur a dit, pourquoi vous posez la question Ils ont dit, parce qu'on était en train de creuser la tombe à côté, les pierres, elles sont tombées, et on a vu ton père en train de faire la prière alors qu'il était mort. Et on l'a vu faire la prière dans sa tombe. Alors elle leur a raconté, elle leur a dit, mon père, pendant 50 ans, la nuit, quand les gens y dorment, il se levait pour faire des prières. Je ne parle pas des cinq prières que Dieu t'a rendues obligatoires. Je parle d'autres prières qui sont sunnah, qu'il faisait en plus. Pendant 50 ans, quand les gens ils sont sur Netflix la nuit, ou les gens ils jouent aux jeux vidéo, lui il faisait des prières toute la nuit pendant 50 ans. Et avant le sobh, avant l'aube, avant le fajr, quand les dou'as sont exaucés, il disait, oh Allah, fais un dou'a, oh Allah, si tu accordes à, tes à certains de tes esclaves, de faire la prière dans leur tombe, fais que je sois au nombre de ceux-là. Accorde-moi cela. Et Allah lui a exaucé. Ça, c'est la félicité dans la tombe. Mais c'est pas fini. Parce que il va rester dans une félicité dans la tombe jusqu'au jour du jugement. Et au jour du jugement, quand l'ange Israfil va souffler dans le corps et les gens vont être ressuscités, cette personne qui est vertueuse, elle sera dans une félicité, elle sera heureuse. Elle sera rassasiée, elle sera vêtue sur des montures dont la selle elle est en or et les harnais sont en or. Et ils seront sous l'ombre du trône. Eux, ils seront paisibles. Et combien de temps dure le jour dernier Il dure 50 000 années. Mais le musulman vertueux, et je répète, le vertueux, c'est celui qui obéit à Dieu. C'est celui qui fait sa prière. C'est celui qui jeûne Ramadan. C'est celui qui ne tombe pas dans le haram. Les 50 000 années, il va les sentir comme le temps d'une prière. Ça va passer vite pour lui. 50 000 ans, ça passera pour lui comme le temps d'une prière, le temps de la prière du rasar par exemple. Et Allah est tout puissant sur toute chose. Dieu, s'il veut, il fait qu'un temps long il paraisse court pour toi, ou qu'un temps court il, passe, il paraisse long pour toi. Et ça, ça existe même dans ce bas monde. Nous, on dit à notre époque, le temps il passe vite, il passe de plus en plus vite. Quand quelqu'un il attend le train, le train ne vient pas, il trouve le temps très long, pourtant il a attendu que 3 minutes. Quand quelqu'un il joue au foot ou là il joue à la PlayStation, il joue pendant des heures et des heures. Il dit non, j'ai joué que cinq minutes. Un temps long, il peut paraître court. Un temps court, il peut paraître long. Le vertueux, le jour dernier passera vite pour lui. Et après, après, il entrera au paradis. Vous savez ce qu'il y a au paradis? Le prophète sallallahu Alayhi wa Sallam nous apprend qu'au paradis il y a des arbres qui ont des fruits qui ne périssent jamais. Celui qui mange un fruit d'un arbre du paradis, il aura plus de plaisir. Que tout le bonheur qu'il y a dans ce bas monde réuni, tous les plaisirs de ce bas monde, tout ce que contient ce bas monde comme plaisir et comme bonheur ne vaut pas un fruit que tu manges au paradis. Le prophète alayhi wa sallam a dit C'est-à-dire l'espace d'un empan au paradis. Un empan, c'est ce qu'il y a entre le pouce et l'auriculaire. L'espace d'un empan au paradis est meilleur que tout ce bas monde et tout ce qu'il contient. C'est pour ça qu'il faut œuvrer. Parce que en retour, qu'est-ce que tu vas gagner Le paradis, la félicité. Les gens, ils travaillent cinq jours sur 7. Ils se sacrifient toute leur vie. Ils se réveillent à 5 heures du matin. Pour faire quoi Pour gagner 2000 euros. Pour gagner 1500 euros. Là, il t'est demandé de faire cinq prières par jour qui te prennent quelques minutes. Pour gagner quoi Pas 2000 euros. Pour gagner une félicité qui est incomparable. Une félicité qui n'a absolument pas de pareil. Parmi les bonheurs et les félicités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'au paradis, il y a des fleuves. Le fleuve, il est à même le sol. Il n'est pas dans un lit. Et il coule sans déborder. Et il y a des fleuves d'eau, des fleuves de lait. Ça, c'est dans le Coran. Il y a des fleuves de miel. Au paradis, il y a un arbre qu'on appelle Touba. Cet arbre-là, il est tellement grand que la personne, elle peut marcher pendant 100 ans elle sera toujours sous l'ombre de cet arbre. Et c'est de cet arbre que sortiront les vêtements des gens du paradis, qui sont faits de soie. Ça, c'est certains exemples de bonheur que Allah Taala nous a promis et qui sont cités dans le Coran ou dans le Hadith. Mais si tu veux gagner le paradis, c'est pas en te tournant les pouces, c'est pas en délaissant la prière, c'est pas en oubliant que tu vas être jugé, que Dieu il t'a ordonné de faire certaines choses et il t'a interdit de faire d'autres choses. Donc ça, c'est pour qui C'est pour le vertueux. Mais qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui se sont égarés Pour ceux qui n'ont pas accepté de croire en Dieu Eux, ce n'est pas la même histoire. Déjà, l'ange de la mort, quand il va prendre son âme, il va la donner à qui Aux anges du châtiment. Et les anges du châtiment, est-ce qu'ils vont remonter l'âme jusqu'au septième ciel Non. Ils vont descendre l'âme jusqu'à la septième terre, dans un endroit qui s'appelle Sidjin. Et Dieu dit dans le Coran, quelle kitab al fujari, la fille Sidjin. L'inscription des âmes des, des mécréants, elle sera faite à Sidjin, dans la septième terre. Et après, l'âme, elle va remonter. Et il va se passer la même chose. Nous, on va partir, on va quitter la tombe, après l'avoir enterrée. Et les deux anges Munkal et ils vont venir. Ils vont lui poser la même question. Man qui est ton Seigneur Ou quelle est ta religion Ou zakunta taqulu fi Rajuli Muhammad Et que disais-tu à propos de cet homme, Muhammad, sallallahu alayhi wa alors le mécréant, qu'est-ce qu'il va répondre Il va dire ⁇ La Adri ⁇ Il va lui dire ⁇ Je sais pas, je disais la même chose que les gens. Je disais comme les autres. Alors ils vont lui, ils vont lui répondre ⁇ La talait. Ils vont l'humilier. Ils vont le frapper avec une barre de fer, une masse de fer, derrière la nuque. Il a été rapporté que cette masse de fer, si tous les êtres humains et tous les djinns se réunissaient pour la porter, ils n'y arriveraient pas. Vous imaginez il a été rapporté que si une montagne était frappée par cette barre de fer, la montagne elle s'effriterait et elle deviendrait de la poussière. Et c'est avec cette barre de fer que les anges vont frapper cet homme. Pourquoi Parce qu'il n'a pas cru en Allah et en son messager et c'était le plus grand devoir qui nous incombait. C'est pas à la légère, c'est pas à prendre à la rigolade. Le prophète wa sallam, nous a appris que cette personne-là, elle va crier d'un cri que tous ceux qui sont autour ils vont entendre, sauf les êtres humains et les djinns. Sauf les hommes et les djinns. Et après, ils vont ordonner à la tombe de se resserrer, de se resserrer contre lui. Et la tombe, elle va se resserrer contre le mécréant jusqu'à ce que les côtes, elles s'entrecroisent. Et il va rester châtié dans sa tombe jusqu'au jour dernier et au jour du jugement. Au jour du jugement, pendant cinquante mille ans, Allah va le châtier tellement fort qu'à la fin, le mécréant, il en pourra plus et il dira. Il dira, ô oh Seigneur, soulage-moi, jette-moi en enfer. Le mécréant, au jour dernier, tellement son châtiment sera intense. Il va dire, jette-moi en enfer. Il ne pensera pas que l'enfer c'est encore pire. Et là, les anges, ils vont ramener une partie de l'enfer, pour que le mécréant la voie. Ils vont ramener une partie de l'enfer qui sera tirée. Il y aura 70 000 chaînes. Et sur chaque chaîne, il y aura 70 000 anges qui tireront une petite partie de l'enfer. Et quand le mécréant va voir l'enfer, il va voir ce qui l'attend pour l'éternité, il dira ce qui est écrit dans le Coran, dans surat Amma yatasa'alun, Juz Amma, wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Le mécréant dira, si seulement je n'étais que de la poussière, si seulement je n'avais même pas été un être humain. Alors nous, on veut choisir quelle voie, on veut prendre quelle route. La route qui mène au paradis, ou la route qui mène en enfer. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit C'est-à-dire que le chemin qui mène au paradis, il est parsemé de choses que ta nef, ton âme, elle réprouve, elle veut pas. Oui, il faut faire des efforts, tu n'as pas envie de faire des efforts. Nous, notre âme, elle a la flemme, elle veut les plaisirs. Quand tu lui parles de la prière, elle te dit plus tard. Quand tu lui parles de craindre Dieu, elle te dit plus tard. Pas maintenant, jusqu'à ce que la mort, elle arrive. Le chemin qui mène au paradis, il est parsemé de choses que ton âme, elle n'a pas envie. Et le chemin qui mène en enfer, il est parsemé de choses que ta, ton âme, elle veut. Elle veut les désirs, les plaisirs. Mais Dieu, s'il t'a interdit des choses, alors abstiens-toi et tu gagneras dans l'au-delà. Et si Dieu t'a ordonné des choses, même si tu as la flemme, force-toi et tu gagneras dans l'au-delà. Et le plus grand devoir qui nous incombe, c'est d'être musulman. Allah dit dans le Coran, « Inna inda l-Islam. » La seule religion que Dieu a gré, c'est l'Islam. Et le deuxième plus grand devoir qui nous incombe, c'est la prière. Il est très grave de délaisser une prière. Dieu dit dans le Coran, « lil-musallin alladhina hum Vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un grand châtiment menace la personne qui fait ses prières mais qui ne les fait pas dans leur temps. Parce que ta prière, tu dois la faire dans un temps précis. Donc, toi tu fais ta prière, allah mais tu la retardes de son temps, sans excuse, c'est un grand châtiment qui t'attend. Imaginez-vous celui qui ne fait pas du tout sa prière, une fois. Celui qui ne fait pas sa prière pendant une semaine. Celui qui ne fait pas sa prière pendant un mois. Celui qui ne fait pas sa prière pendant un an. Celui qui a des années de prière qu'il n'a pas faites. Il va dire quoi au jour du jugement quand il lui sera demandé qu as -tu « Qu'as-tu fait As-tu fait tes prières ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ça veut dire que quand tu vas sortir de ta tombe, l'être humain, quand il sortira de sa tombe, avant d'être interrogé sur quatre choses, sa vie, qu'est-ce qu'il en a fait Ton corps, dans quoi tu l'as utilisé Ton corps, c'est Dieu qui te l'a donné. Dans quoi tu l'as utilisé ton argent, comment l'as-tu acquis Est-ce que c'est dans le halal Et dans quoi tu l'as dépensé Est-ce que c'est dans le halal ou dans le haram Et ta science, qu'en as-tu fait As-tu appris la religion As-tu œuvré conformément à ce que tu as appris Ou bien non, tu disais plus tard Ceux qui disent plus tard et ceux qui disaient plus tard, ils sont où maintenant Ils sont dans la tombe. Ils sont tributaires de leurs actes. Ça y est, qu'est-ce qu'ils ont avec eux Ils ont pris leur maison avec eux, ils n'ont pas pris. Ils ont pris leur argent avec eux Tout ce qu'ils ont essayé de gagner et de récolter toute leur vie. Ils n'ont pas pris un euro, ils n'ont pas pris un centime. Ton linceul, il n'y a pas de poche dedans. Ils ont pris leur notoriété, leur réputation, la gloire avec eux. Même si c'était des présidents, des rois, des stars, dans leur tombe, ils ont rien pris avec eux. Sauf une chose, leurs actes. Ce qu'ils ont fait de bien et ce qu'ils ont fait de mal. Et nous, ça va être la même chose. On n'est pas différents. On est des êtres humains comme eux. On ne va rien prendre avec nous. Donc tu peux courir toute ta vie après des choses de ce bas monde, tu vas les laisser dans ce bas monde. C'est pour cela que l'intelligent, c'est celui qui prépare sa vie dans l'au-delà. Et ce n'est pas celui qui essaye de construire pour une demeure qui est éphémère. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et je vais finir avec ça, inshallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était allongé, sur un tapis de paille, la hsera. Vous connaissez la hsera Les tapis avec de la paille au bled, quand tu t'allonges dessus, t'as mal. Ça te laisse une marque. Et ça a laissé une marque au prophète, alayhi wa Quand Omar, anhu, il l'a vu, il a pleuré. Le prophète lui a dit, « Ma yubke kaya Omar, pourquoi tu pleures ?» Alors Omar a dit, « Rasulullah yanam al-hasir, wa kisra wa qaysar, yanaman al-harir. » Omar a dit, « Le messager de Dieu. » C'est-à-dire la meilleure des créatures. Elle dort sur de la paille. Alors que Khosroes et César, c'est-à-dire l'empereur des Perses et l'empereur des Romains, qui sont des mécréants, eux, ils dorment sur de la soie. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu. N'es-tu pas content, Omar, que Dieu nous a réservé l'au-delà et leur a donné ce bas monde? Ma qu'est-ce que j'ai à voir avec ce bas monde? Et qu'est-ce que ce bas monde a à voir avec moi Il lui a dit pour finir Moi, je suis dans ce bas monde que comme un voyageur qui s'arrête sous un arbre et qui va quitter cet arbre. Quand tu es en voyage et tu te reposes derrière sous un arbre, tu construis ta maison Tu défais tes valises Non Tu fais une pause sous cet arbre juste pour te reposer, prendre ta respiration et après, tu repars, tu continues ton voyage. Cette vie-là, cette terre-là, c'est une terre de passage. Donc il ne convient pas qu'on agisse comme si on allait y rester éternellement. Il convient qu'on agisse comme des étrangers ici, comme des voyageurs, et qu'on se prépare et qu'on fasse nos provisions pour le bout du chemin. Et le bout du chemin, c'est quoi C'est ce qui vient après la mort, c'est l'au-delà. Et c'est quoi les provisions que tu fais pour gagner dans l'au-delà, pour avoir ta demeure dans l'au-delà c'est taqwa, la piété, d'obéir à Dieu, de craindre Dieu. Et ça, ça passe avant tout en apprenant l'islam, en apprenant ta religion. C'est ce qu'il y a de plus important. Tu as passé ta vie à apprendre la mécanique, tu la... as passé ta vie à apprendre la médecine, ou bien tu as passé ta vie à apprendre ingénieur, informatique, tout ce que tu veux. Masha'Allah, c'est bien. Prioritaire sur toute chose, il y a quoi Apprendre ta religion, apprendre ce qui te sauvera des flammes de l'enfer, et ce qui sauvera ta famille en leur apprenant à eux également. Ça, c'est de la responsabilité de chacun d'entre vous. Vous êtes des adultes et vous avez des enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa vous avez tous des responsabilités, vous avez tous une autorité sur des gens et vous êtes tous responsables et vous serez interrogés au jour dernier sur l'autorité qui pesait que vous aviez sur ces gens-là. Qu'est-ce que tu as fait Tu as des enfants Qu'est-ce que tu leur as appris Tu as fait en sorte qu'ils soient des gens vertueux. Ou bien juste tu leur as donné à manger, et à boire, tu leur as donné des jeux vidéo, des jouets, de quoi dormir, comme avec les animaux. Les animaux, qu'est-ce qu'on fait On leur donne à manger, à boire et à dormir. C'est comme ça que tu éduques tes enfants Ou bien tu leur donnes l'éducation de l'âme, qui est l'islam, la voie qui mène au paradis. Chacun d'entre nous doit s'éveiller et se réveiller parce que la vie, elle est courte. Et parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Vous connaissez tous quelqu'un autour de vous qui est mort. D'un instant à l'autre, on ne s'y attendait pas. Il y a des gens qui meurent d'une longue maladie. Il y a des gens qui meurent d'un accident de voiture. En venant, j'ai vu un accident de voiture qui avait l'air très grave. Là, en venant, j'étais dans les bouchons. Un accident de voiture qui avait l'air très grave. Allah a si la personne est décédée dedans. Tu sors le matin, tu as des projets pour demain. Tu as des projets pour la semaine prochaine. Tu as des projets pour les vacances en été. Tu as des projets d'acheter une maison dans cinq ans. Mais il y a quelque chose que tu n'avais peut-être pas projeté. C'est ce que Allah t'a a prédestiné et c'est ton, ton échéance, ta mort. Bon, j'ai dit tout à l'heure que j'allais finir avec un hadith. Maintenant, Inch'Allah, je vais vraiment finir avec un hadith pour pas faire trop long. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était avec ses compagnons, il a fait un dessin sur la terre. Il a fait un dessin sur Trab. Il a dessiné un carré ou un rectangle, et il a dessiné des traits verticaux dans, les, dans le rectangle. Ça, Vous suivez? Et il a dessiné, à l'intérieur du rectangle, un trait horizontal qui va d'un bout à l'autre et qui dépasse. Ça ressemble un peu à une raquette, mais rectangulaire avec le manche. Vous voyez Je répète, un rectangle avec des traits verticaux dans le rectangle, et euh, du milieu du rectangle d'un bout, il a fait un trait qui va jusqu'à l'autre bout et qui dépasse. Il a dit à ses compagnons, vous savez ce que c'est Et moi, je vous retourne la question, vous savez ce que c'est Les compagnons ont dit, Allahu Allah, sait et son messager c'est. Alors le prophète, alayhi wasallam, il a dit, le rectangle, c'est l'être humain. Ibn Adam, l'être humain. Les limites du rectangle, le contour du rectangle, c'est son échéance, c'est le moment de sa mort. Ça veut dire qu'il va vivre ce qu'il y a à l'intérieur et il ne vivra pas une seconde de plus. Les traits verticaux qu'il y a dans le rectangle, c'est quoi Ce sont les événements dans sa vie. Et le trait là, le trait qui part d'un bout du rectangle et qui va jusqu'à l'autre bout, mais qui dépasse le rectangle, c'est quoi C'est l'espoir de vie de la personne. Il espère vivre tout ça. Et la mort, elle s'arrête là et lui l'espère vivre jusqu'à là-bas. Et c'est le cas de la plupart des gens. Tu fais des projets, tu fais des projets, tu fais des projets et la mort elle t'attrape. Tu as préparé quoi pour l'au-delà Tu dis après, après. Tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir. C'est pour cela que à chaque instant, on doit faire en sorte d'être prêt. À chaque moment, on doit faire preuve de piété. Et on doit se rappeler que Allah nous voit, Allah sait ce qu'on fait et Allah, c'est lui qui nous jugera dans l'au-delà. Alors soyons prêts pour l'au-delà. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم ارحم من كان اجتماعنا هذا بسببها اللهم اغفر لها ذنوبها وإسرافها في أمرها وكفر عنها سيئاتها اللهم تب عليها وسامحها اللهم أكرمها يا رب العالمين اللهم اجعلها من أهل الجنة ولا تجعلها من أهل النيران اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صارت إليه اللهم قها عذاب القبر وقها عذاب النار اللهم سامحها يا رب العالمين اللهم اجمعها باهلها في جنات النعيم اللهم نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد اللهم تب عليها يا تواب يا رحيم اللهم اجمعنا بها في الجنه اللهم ارزق اهلها الصبر والسلوان والعلم والعمل والاخلاص يا رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين